Débiozaï pété n'a pas qu'un au cahier, mesdames et messieurs, après que commissaire Ronald Richemont t'a décidé de déposer scellé sous l'hôpital La Place côté. Une jeune demoiselle qui pote nos Kenya civil t'a arrivé perdit la ville dans semaine qui saute passé à la. Selon famille, ensemble avec avocat famille, il a déclaré que commissaire Ronald Richemont a fait tout ça capable pour capable kaba preuve qui gagne actuellement là contre docteur qui a diriger l'hôpital là. Ensemble, nous prenons des déclarations. Yo. Ancien sénateur Niplan Nenel Kassi répond à une question la justice. Jean Saté prévoit à 1er juin 2023. Selon Nenel Kassi, il a fait des manœuvres politiques pour capable sale image alors que des monde qui participent à l'assassinat président Jovenel Moïse jusqu'à présent qui pour qu'on répondre à une question la justice. Ensemble, nous prenons des déclarations Nenel Kassi. Milord Maniga, c'est un choix qui fait à travers yon entente. Selon ça, Emmanuel Menard, lui-même, il est arrivé déclaré dans le micro panel Magic 9. Nous prenons les déclarations qui Jean-Milord Maniga fait vine présidente au conseil transition. Yon groupe avocat dans différents barreaux dans 18 juridictions en de pays d'Haïti qui pote nom groupe avocat fédéré pote plainte pour PM Ariel Henry sous Jean Lab dirige pays ya. Ensemble, nous prenons des déclarations. Bonjour tout le monde, bienvenue sur plateforme Paola. Non pas, c'est Fabula Jean-Charles et c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin, on apprend tant pour nous dire merci. Ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invite yon moun qui dans entourage ou abonné ensemble avec plateforme si là, puis capable toujours être connecté avec bon information. Jodi a c'est vendredi 2 juin 2023, ça qui veut dire c'est week-end. Conseil nous a toujours été même gens. Si ou boue pas conduit, si ou conduit pas boue. À te pays d'Haïti piégé, c'est ou même qui gagne responsabilité pour capable gérer tête ou. Parce que week-end sa belle, mais l'autre week-end a pi belle toujours. Mesdames et messieurs, commissaire Ronald Richemont décide de poser scellé sous l'hôpital La Place, qui est responsable la mort Kenya civil, une jeune infirmière. Selon commissaire Ronald Richemont, c'est une façon pour capable pousser l'hôpital là, rendre compte ensemble avec ça qui passait. Mais bien malheureusement, famille ensemble avec avocat Kenya, pas ou bagayo ensemble avec même G que commissaire là. M'a rappelé, il y a divers cas qui présentaient déjà côté médecin arrivé qui était moun mouri dans l'hôpital pour être l'agent. Maman ou dit boy mouri dans l'hôpital canapé vert puisque yo pas devait quitter l'entrée pour 5000 goud alors que il était capable de déposer maman yo commencé prendre soin à la banque prend cobla et même s'il pas gagne la banque il était capable prêter en hypothèque venir parce que c'est maman il pas jamais capable quitter maman il mouri pour 5000 goud m'kon yo ka côté un jeune homme t'est arrivé fait un accident li mouri l'hôpital général puisque li pas gagne 5000 goud alors que nan poche jeune homme ça les familles en vini yo jeune plus passé 15000 goud donc le fait que Kenya civil mouri pour 4000 goud c'est pas première fois que bagay sa yo a répété en dans pays d'Haïti ça qui veut dire que autorité sanitaire yo ensemble avec autorité judiciaire yo supposé commencer prendre responsabilité yo pressé par rapport ensemble avec situation ça. Surtout actuellement là, nous connaissons pas 4 hôpitaux en dans pays d'Haïti qui pas gagné statut légal tout bon vrai. Ça nous pas perdu trop de temps mesdames et messieurs, n'a rentré directement ensemble avec avocat famille Kenya civil qui pral ba nous plus détails de ça que lui-même les pensées de action que commissaire Ronald Richemont a arrivé poser. Comme ce gouvernement, il a pour devoir de débarquer dans le domicile de monde suspect qui prévenu. Ça l'a fait. Si il y a papier, si il y a écrit, si il y a archive, il a saisi, il a posé les sous.
comment imaginer que ça gagne plus que 10 jours que mademoiselle Kenya l'immune dans des circonstances douteuses dans l'hôpital de la place. Commissaire gouvernement, il est là, dans l'Okaï, il n'a jamais fait rien. Il donne 8 jours passés, il vient dans l'hôpital là, il faut descendre des lieux, il n'a pas fait aucun acte concret en tant que chef de poursuite. Nous disons que ça, commissaire, fait là, c'est commérage, il n'a pas gagné rien avec la loi. Si le commissaire tu as fait en sorte que Kenya ait une justice contre ça pour l'affaire. Si tu n'as pas justice, le même jour, il était informé de la situation. Il a pris pour devoir, pour un juge de paix, accompagner, entrer dans l'hôpital là, saisir bonne vidéo, prendre l'archive là, mettre sous scellé, j'ai la loi dit l'article 25, 26, 27, 28 pour ce criminel là. Mais, quitter 15 jours passés pour qui ça? C'est parce qu'on connaît que serveur vidéo avec là, il a une capacité pour le conserver un an après 72 heures. Ou qui est passé exprès. Pour pas que vous compreniez, nous avons un système de loi inquisitif qui est accusé pour une défendre tête. Li. Sauf même comme chef de poursuite qui vous cherchez pour vous dire non, mais ça fait. Comment je dis aujourd'hui là, après plus que 14 jours, au lieu qu'on te saisi bagnon ou posé celle sur l'hôpital là. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous avons cherché preuve, nous avons cherché indice qui pouvait culpabilité l'hôpital là. Non, ça qui passe Kenya. Ou pas qu'un chef de poursuite pour me venir dans l'hôpital là pour me sentir que et mettre l'hôpital là, infirmière capitaine, je me sens confortable avec un chef de poursuite. Ça va être aucun côté au monde. Lorsqu'on est comme ce gouvernement, nous parlons de nous-mêmes, nous faisons une peur. Nous sommes étonnés de mon juge de venir là. Pour un droit de la dire qu'il n'y a pas personne qui a avec ce gouvernement. Et que je dis à nous, c'est clair, les venus font démagogie là. Nous ne pouvons pas déposer scellé sur l'hôpital là. L'hôpital supposé être ouvert pour pas servir ça à mon capable. L'hôpital là été ouvert, le commissaire a saisi bonne vidéo, il a saisi l'archive là, pour nous dire à qui est Kenya entré là, à qui est décédé. Alors que, il y a une bataille médiatique qui a fait sur les réseaux sociaux, quand l'hôpital a sorti une note, il dit que Kenya vient de l'hôpital là. Il fait 10 minutes, il était sous soin intensif, il s'est réanimé. Alors que c'est faux, il n'y a pas de jambes touchées, il a dit que j'ai 3 500 $ que je n'ai pas gagné. Peut-être 4 000 gouttes que je n'ai pas joué à l'actuel pour le bail, il a quitté le mourir. Le commissaire Richemont a fait démagogie judiciaire. Démagogie pas gagné pour la loi. Dis tout. Il compte ça pour le faire, pas faire. C'est le même qui est avocat à l'hôpital, là, il a protégé l'hôpital, là, démagogie ça n'a pas passé. Et d'ailleurs, nous prenons le demander de déporter le dossier. Parce que monsieur manque digne. Nous ne pas faire le confesse sur ce qu'a fait là. Nous pas demander de poser celle dans l'hôpital là, il va s'en demander. L'hôpital là été ouvert pour le bail sa population à mon capable. L'hôpital là pas qu'à fermer. Nous demandons commissaire pour saisir l'archive. Vin prendre bonne vidéo, caméra, côté yo, pour quitter on dedans, ou bailler pour y aller face ça que sous yo. Nous pas nous pas demander fermer l'hôpital. Et puis c'est peut-être ça nous pas demander juge référé pour lever celle sur l'hôpital là pour faire ça pour la demander faire. Comme ça je mets démagogie l'a fait. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes des déclarations avocat famille Kenya. Et quelque part, il y a complètement raison, puisque il n'y a pas capable de fermer l'hôpital là, il y a l'autre monde qui a besoin de soins. L'hôpital ça a porté non la place et l'itabicol non au caille. Eh bien, nous avons suivi qui Jean Dossier a lui-même l'a évolué pour nous capables de jouer une possibilité pour te plus de détails pour n'a font retour à Port-au-Prince spécifiquement dans Parkea pour nous capables à parler ensemble avec Nenel Kassi. Hier 1er juin 2023, Nenel Kassi, ancien sénateur Niplan, a gagné pour répondre question par rapport ensemble avec assassinat président Jovenel Moïse. Il pas trop vraiment focus sur dossier ça, mais il parlait de PM Ariel Henry ensemble avec l'autre qui a mal dirigé pays et qui acceptait invitation pays Carico en fait Caricom bay pour aller dans pays Jamaïque afin pour faire un dialogue inter-haïtien ensemble entre les déclarations Nenel Kassi. Assassinat président Jovenel, comme nous tous nous connaissons, et sans doute, nous croyons que aujourd'hui, nous avons ensemble notre préoccupation. Et préoccupation dans le clair. Et il y a des gens qui sont en charge de la gestion du pays. Pour pas nous assassiner Jovenel, il y a toujours dit, et les gens qui ont pour nous dire, et nous souhaiter. Moun sa yo vin nan cabinet de session pour vin parler. A qui ti te invite aujourd'hui là? Juste pour t'étendre. Mais m'a dit
l'opinion nationale et internationale. Moi, c'est un monde qui respecte la justice la caille. Vous respectez la justice la caille ou pas vrai? Mais pour qui ça, pas de gens répondre de CPJ, les autres invités, vin répondre question sur ça qui est ensemble avec drame qui était passé dans Delma 40B, côté de un citoyen qui était arrivé perdu la ville et ont même une preuve qu'il y est ensemble avec vous. Donc c'est jeune aujourd'hui là où senti que ou respecter justice pays ou pas vrai, c'est soit que ou pas gain rien pour ensemble avec assassinat président Jovenel Moïse là, ou du moins ou gain quelque chose à voir, mais ou toujours voulez monter, ou c'est un ancien sénateur, ou c'est un bon monde, ou c'est un monde qui respecte pays d'Haïti, ou c'est un monde qui respecte poste que ou te occupé en dans pays là. Mais nenel, en tout cas on continue pour nous capables. Une de tous les îles, juge là convoqué matin ma fille, il convoqué à midi ma fille, il convoqué à soir ma fille. Comparativement avec un peu de monde qui pensait et que moi pas obéi à justice pays. Mais je dis après là, là, c'est clair. Est-ce que vous sentez que le juge lui-même est bien édifié de la justice? Pas gagné pour moi parler des instructions du juge là. Juge là, s'il gagne pour l'informer la presse, la convoquer la presse. Pour retourner devant. À qui ça nous conclut? À qui ça nous conclut? Moi, je suis disponible pour juge là. Mais je dis ça qui a passé là, je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. Je dis ça. Pas qu'à toute bagaille qui a passé dans le pays, moi-même, comme dirigeant responsable, toujours un mandat politique qui a fait. Contre sénateur Cassé. C'est parce que ça m'a défendu. Il y a un pile monde qui a un problème avec. C'est parce que c'est sénateur. Il y a un pile monde qui a un problème. Et que bataille qui a mené là. Qui bataille? Il n'y a pas de bataille. Qui bataille? Je m'a dit, peuple haïtien. Je m'a dit, tout le monde en général. Nous ne pouvons pas camper dans la route. Jodia, mais qui a pas le faire? Négociation Jamaïque, mais moi-même, je fais une négociation dans le cabinet. Ça, ça veut dire négociation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire vous-même. Il a fait tout ça qu'on connaît pour vous qu'un pays dans la situation qui est là. Pour le peuple n'a pas qu'à jouer justice. Pour le peuple n'a pas qu'à jouer sécurité. Pour le peuple n'a pas qu'à jouer manger. Pour le peuple n'a pas qu'à jouer un service de base. M'a dit, il est le temps pour. Tout le monde qui mettait bien sur le peuple là, il va chasser. Donc vous voulez dire que vous avez un monde qui a convoqué aujourd'hui? Ah non, tout comme ça. Oui. Tout le monde comme ça. Oui, tout le monde connaît que nous-mêmes, nous avons fait une opposition démocratique en face de Jovenel. Nous ne pouvons pas demander la mort pour Jovenel. Et ces manifestations de confiance, c'est gaz de Corban. Et c'est ça qu'on connaît. Et le monde qui a géré la Jovenel de mourir, c'est eux pour y aller. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est vous qui allez. Qui est sénateur? Pas nous qui sommes sénateurs. Si j'ai interprété convocation ça, qui j'ai interprété convocation ça, ça a été dépassé. Pas nous convocation avec ça. Qu'est-ce qu'il y a là qui est pour le tournoi pas de votre là? Si qui veut tourner la bonne. Rappelez-nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Nenel Kassi. Il est vraiment important pour nous capables de focus sur un point. Pour ça qui est ensemble avec la question de mauvaise gestion du pays. Oui, pays a mal dirigé, vraiment, vraiment, gon mal gérance qui gagne en dans pays. Mais quand même, est-ce que Nenel Kassi, c'est moun qui mieux placé pour être capable de parler de mauvaise gouvernance alors que nous connaissons tout ça, moun, ça ou fait? Pendant plus que yon l'année, Nenel Kassi te chita en dans accord en septembre 2021, puisque li te joint yon manière pour être capable de continuer combat personnel li. Mais yon gile mette Nenel Kassi dehors tout bon nan question SDP ensemble avec accord en septembre. C'est pas lui même qui retire l'école. Jusqu'à présent, nous pas gen yon réaction qui concrète de André Michel qui se porte-parole secteur démocratique ak populaire, parce que nous avons un paquet de mouvements qui a fait afin pour changer nom SDP et faire tourner une autre structure. Mais André Michel, dernièrement là, 23 mai 2023, dans la première journée forum sous sécurité nationale, il a déclaré que le SDP est éternel. Qui ça qui veut dire exactement? Donc, l'autre a mené un combat démocratique en face président Jovenel Moïse. Mais démocratique
comment démocratique là? Parce que nous pas capable arriver jusqu'à présent comprendre mot ça que utilisé à. Yo combat démocratique voir on voit parce que nous connais moi-même, me toujours gagner téléphone moi même et me toujours gagner Google moi en bas même pour nous capable répondre quelques questions que nous pas capable comprendre. N'a parlé de combat démocratique. Combat démocratique. Qui ça qui est un combat démocratique? Bon, pas vraiment gagné. Rien qui gagne ah ouais, ensemble avec combat démocratique comme définition. Mais nous tout la connaît que démocratie, c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Donc, selon Nenel Kassi, combat salta penir, c'était pour peuple haïtien, mais jusqu'à présent, nous pouvons jamais voir résultat qui gagne ah ouais ensemble avec combat ça. Mesdames et messieurs, puis devant nous gagnons Mirlande Hippolyte Maniga, qui est présidente conseil transition et qui s'est aussi invité de la CARICOM pour capable participer dans ça qui gagne ah ouais ensemble avec dialogue inter-haïtien. N'a pas rappelé que gen environ 34 personnalités politiques, sociales, économiques actuellement là en pays d'Haïti que yo invité dans dialogue si là dont André Michel, Liné Balthazar, Evalier Beauplan, nous gagnons Josué Mérillier, Clarence Renoir, Jerry Tardieu, qui est nous gagnons encore Pascal Solage, nous gagnons différentes personnalités dans le droit moun qui après représenter le pays d'Haïti dans le dialogue si là pour ouais est-ce que yo capable joindre une solution. Et bien Emmanuel Ménor a déclaré c'est à travers une entente que Mirlande Maniga lui-même lui arrivé côté hier journée jeudi en là ensemble en dans des déclarations dans micro Magic 9. Ou te signé encore 21 décembre pour institution notamment de Haut Conseil de la Transition. Et qui regard ou gagne sous Haut Conseil là, ça nous te signé et ça me souhaité dans accord là et façon que HCT a li comporté dans moment on a parlé. Bon, faut moi dire d'abord les nous te signé et accord 21 nous signé le 23 parce que nous avons fait une assemblée extraordinaire, nous sortions une résolution qui paye une recommandation, et si vous regardez la publication qui fait le moniteur là, on pourrait signer sous réserve, et puis nous dit voir la résolution. Premièrement, nous demandé au monde qui peut signer les forces politiques, qui est probablement moins dit, faut gagner un addendum à l'accord. Donc, au sens de ce document, parce que grand pile bagaille, nous pas d'accord là-dedans. Et nous, d'abord, on se coupe ça, pas prétendre retourner personne. Monde. Par exemple, Mme Maniga, qui représentait le secteur et politique, souvent de Mme Maniga, qui réunion de gagner secteur politique, qui a choisi le kill, le fait, qui va pas bon, non. Tout ça, c'est dans le cadre d'une détente politique, nous t'ai accepté. Monsieur Ménard. Ou dit Madame Maniga pas jamais rencontré avec force politique yo. Demandez pas qu'aucune réunion force politique qui désigne Madame Maniga comme représentant du secteur non. Qui est-ce qui désigne elle? Sans entente nous fait nous d'accord. L'équipe qui a fait sa facilitation avec une bonne parle avec Madame Maniga Rajdario. Nous avons une personnalité contre Madame Maniga. Pas de problème que Madame Maniga est représentée du secteur politique. C'est pour... Attendez. Donc ça veut dire que le secteur politique là pas au courant que Mirlande Maniga lui-même lui représentait en dans au conseil transition. Donc là nous chita entre nous nous dit n'a décidé dans non secteur politique là. Mais sérieusement, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire actuellement là? Donc Mirlande Maniga sent-il fier pour le capable parler de haut conseil transition pour le capable défendre bec et ongle budget transition, il sent-il que li normal pour le capable organiser forum sous sécurité nationale, manger pour grand merci qui pas bay résultat, voyager dans nos pays d'Haïti pour capable défendre pays d'Haïti, mais quand bien même secteur politique là pas au courant que yo choisi Mirlande Maniga pour capable représenter. Waouh, exceptionnel. Oh. Obsession, nous t'avons fait parce que nous t'avons fait en haïtien que le peuple a tellement souffri, on a couru chaque jour, on m'a même pas dit. Nous pas fait exigence, nous pas demandé poste, nous t'avons demandé
nouvelle gouvernance avec une feuille de route claire. Par exemple, là, ils ont invité HTT, qui connaît un fondé à gouvernement à Ariel Henry. Et HTT a été doué un contre-pouvoir. Nous, pour y HTT à le bon, mais à Ariel Henry. Mais nous, un contre-pouvoir, et nous besoin d'un organe qui a contrôlé l'action gouvernementale. Et puis, bien sûr, qui monde qui pourra implémenter ça décide l'enfer de route là. C'est un nouveau gouvernement. Nous ne pouvons pas dire que changer quelque monde by job. Non, c'est un nouveau gouvernement. Il faut des femmes et des hommes qui répondent aux exigences et de l'heure et de ça qu'on implémenter à son gouvernement. Alors, puis invité, moi, j'étais invité là au forum libéral fait. Premièrement, je ne vais pas lire les vidéos parce que je ne fais ça. L'on paraît trouver nous masse pour nous. Et puis tout c'est l'embrouille à voyer, c'était le cas. Et puis, moun qui va l'implémenter, lui, puisque Ariel Henry, en sollicitant de la classe politique et de la société civile un autre accord, c'est un désaveu à son gouvernement. Si tout marchait bien, Ariel Henry, Mach. Comme premier ministre, ça a besoin d'un autre accord. C'est parce que d'accord, que l'équipe gouvernementale ligne là, pas promettre en rien, donc, les dégager, les pour joindre un accord. Et puis, 5 mois, 6 mois après, nous pourrons faire un forum, recommandation, et puis tout ce même monde saillot que nous pourrons longer le bail. Ariel Henry a fait passer mon nom Tintin, et me comprendre très bien, la traîner pied, parce qu'elle veut se rester au pouvoir jusqu'en 2025-2026. 2025-2026, ça veut dire on pouvoir 5 ans, hein? C'est pour gérer ça? Mais attendez, l'homme tête qu'on dit, nous, que bandit ou à gouvernement, c'est deux alliés objectifs. Si bandit existait, il n'est pas qu'à résoudre le problème de sécurité. Ils disent, mon cher, pas faute maintenant. Donc, depuis le bon qu'on a fait l'élection, la prenne un pied. Mais, l'homme a réfléchi sur une formule, par exemple, ou dans des gens qui ne pas venir, c'est sale, c'est pas là. Le premier ministre a fait comme si son job de plate pas lié. Le premier ministre a dit, mais même pas papa, jamais président, quel provisoire, quel en rien, tout étant, c'est pas élection. Mais de qui il tient son pouvoir? Même s'il était régulièrement nommé par Jovenel Moïse, et bien, le mandat Jovenel Moïse est fini, là, les touristes, c'est la première fois où il est en tête au pays, au monde, qui n'a pas dit à l'élection, qui n'a pas jamais passé devant chambre pour bon légitimité, et qui n'a pas jamais levé maintenant les devant même un juge de paix pour la sémenter. Maintenant, qui ça nous est là? Monsieur Ménard. Oui. Il y a deux questions pour vous. Et tu as l'air soutenir que HCTA qui, en principe, est un contre-pouvoir, mais très complaisant par rapport avec le Premier ministre là. Et selon vous-même, qui ça qui t'a expliqué ça? C'est eux-mêmes qui posent des questions. Par exemple, moi-même, on aime pas parler de tout le bagaille. Et le diable est dans des détails assez souvent. Carte d'invitation, vous voyez, dis-moi, au Conseil de la transition, en étroite collaboration avec le gouvernement de la République, vous invite. Merci, Ménard. Nous allons inviter des plus. OK? Le Conseil de la transition en étroite collaboration avec le gouvernement, alors que le Conseil de transition devrait représenter le contre-pouvoir. Mais yo tout ma connaît ensemble. Conseil là en de pouvoir et pouvoir en de conseil là. Or, l'objectif était que Conseil là, c'est une institution indépendante et gouvernement sur l'autre institution qui est indépendante. Yo pas capable de corrélation. Est-ce que nous comprenons ce qui a passé actuellement là en de pays d'Haïti? Donc ça veut dire nous prenons une démagogie politique, mesdames et messieurs. Nous avons une démagogie politique. Kounya là, le dialogue interhaïtien, n'est-ce pas? Moïse Jean-Charles, André Michel, Liné Balthazar, Mirland Baniga, Ariel Henry, et Clarence Renoir, nous gagnons Evalier Beaupré. Donc ça veut dire nous gagnons 34 personnalités haïtiennes, nous gagnons Pierre Espérance, Mounsayo, yo croisé.
Et pour yon montre que yon envie fait yon bagay sérieux, yon presque choisi yon grand moun dans chaque secteur et parti politique qui pi influyant en da pays d'Haïti yon. Donc là, nou pas capable di que dialogue la par un dialogue inter-haïtien. Et tout temps d'entendre que André Michel lui-même il t'a parlé comme ça de dialogue là, c'est parce que yon pot ko invite kounya jeune carton d'invitation par là. Li pa gen anyen pour dire. Nenel Kasi qui pas joine, qu'on a obligé à critiquer moun sa ou qui pral déplacer à Jamaïque. Nous pral faire 2 à 3 jours, parce que c'est 13 au 15 juin. Nous pral faire 3 jours, chita, bla bla bla, bla bla bla, sur les mêmes problèmes d'Haïti. Les mêmes problèmes d'Haïti. Les mêmes problèmes d'Haïti. Mais à qui résultat? Mais à qui résultat exactement? C'est question ça qui a posé jusqu'à présent. Nous sommes des déclarations Emmanuel Ménard. Donc là, Mirland Maniga, c'est un entente qui mettait là, pas de pièces secteur politique qui te choisi Mirland pour être capable de représenter correctement. En fait, yo coup de pied, tout de suite encore une autre fois, n'importe quel Port-au-Prince, ensemble avec un groupe avocat différé qui porte plainte contre PM Ariel Henry. Yo pral expliquer nous exactement qui ça qui a passé et pour qui ça yo décidé porter plainte contre PM. 18 mai dernier, gouvernement avec équipe li a décidé à fêter fête drapeau au Cap en guise pour fêter li à Kaye. Nous connaissons depuis 18 novembre 1803, c'est à Kaye fête drapeau à célébrer. Donc pour bon plaisir gouvernement, pour faire plaisir avec Clicli, avec International, il choisit le fait de fêter le Cap. Donc nous-mêmes en tant que citoyens engagés, nous ne pouvons pas arrêter indifférents face à un acte pareil. Donc c'est pour ça que nous portons plainte contre le gouvernement. Et c'est un acte qui est puni par la loi. Okay? C'est pour ça que nous portons plainte contre le gouvernement. C'est capoté dans le cabinet d'instruction tout. Okay? Mais nous, même si nous décapotons le cabinet, nous capotons là tout. Donc de fait, nous portons là et il revient à Paquet pour Paquet aller même acheminer au cabinet d'instruction. Nous-mêmes avocats, nous parlons pour nous penser, nous là pour nous faire ça, la loi dit. La loi dit l'eau pour ne pas faire sortir du fait. Nous devons déposer plainte pour nous-mêmes en tant que groupe citoyen. Nous déposer plainte contre le gouvernement. Quand il y a si Paquet a pas fait suivi, nous allons faire pression sur Paquet à tout pour Paquet à parce que même si Paquet nous déposons le Paquet a pas fait suivi, nous allons poursuivre Paquet. Vous comprenez? Donc nous même nous là, nous demandons pour faire suite avec dossier nous. Et si on pas fait suite, on a forcé au faire suite parce que la loi bah nous obligation. Liquider trahison derrière. Liquider trahison derrière. Depuis 1803, 219 ans, depuis on fait à célébrer un côté. Et il faut regarder aspect historique et mystique et tout. Donc c'est pas comme ça a été décidé et coup de drapeau et à Kaye. Vous comprenez? Donc après 219 ans, ou même pour bon plaisir, sans légitimité, sans consultation populaire, ou décider de prendre fête ou à célébrer. Fête là, c'est pas fête pour, c'est pas fête personnelle, ou c'est pas fête mariage, ou c'est pas anniversaire de naissance, ou pour devoir célébrer le contrôle. Donc c'est un fait qui engage toute la société, l'humanité entière, parce que tout le monde connaît qui ça 18 mai représenté pour l'histoire d'Haïti. Donc l'on lève ou à célébrer de l'autre côté, ça qui est trahison d'ailleurs. Atteinte a été portée à notre dignité, à notre personnalité, à nos valeurs historiques. C'est la raison pour laquelle, ce jour-là, nous portons plainte. Ou crime de profanation du drapeau national, fait prévu et puni par la loi. Or, c'est la dignité d'un peuple qui rentre en ligne de compte. Nous, non seulement nous portons plainte, et nous exigerons aux membres du Paquet de prendre leurs responsabilités pour pouvoir donner suite à la plainte déposée. Parce que nous, les ancêtres, ont beaucoup travaillé pour nous donner ce drapeau. Mais nous n'acceptons pas qu'on le dévalorise. Nous n'acceptons pas qu'on le banalise. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le courage des ancêtres doit être considéré. La volonté des ancêtres doit être considérée. La valeur historique de la nation doit être considérée. Dans ce cas-ci, une personne, un indigne, ne peut pas se permettre de déplacer le centre du drapeau. C'est la raison pour laquelle nous sommes indignés et de cette indignation, nous portons plainte pour pouvoir non seulement mettre en branle, de exiger au Paquet de mettre en branle l'action publique et ensuite de redonner la dignité à la nation haïtienne. C'est ce que... Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes les deux membres d'un groupe avocat différé qui porte plainte contre PM Ariel Henry dès que l'État arrivé déplacer fait drapeau pour lui capable. Eh bien, à imposer le cap haïtien, qui c'est une profanation qui vraiment est puni, en fait, puni, pardon, par la justice haïtienne. Bien avant nous aller là, nous avons une note qui sortit dans une banque là, que nous avons gagné pour nous porter pour. Et nous avons rappelé que nous continuons à mettre en bas code et mettre mandat d'amener après des citoyens,
citoyenne qui t'a travaillé en dans Sogebank, mais qui arrive prend plaisir, mesdames et messieurs, pour être capable de faire détournement et vol. Je dis là, c'est quand ton directeur de banque que la police nationale d'Haïti arrive et mette yon mandat d'amener. Donc, situation lui-même li dégénéré. On regarde qui ça que Sogebank lui-même li écrit dans notre liya, mesdames et messieurs, pour porter yon démenti formel ensemble avec des informations qui a circulé actuellement là sous réseau yo. On allé ensemble avec Unibank. Avis au public, la Unibank offusquée et indignée a pris connaissance d'une fausse circulaire datée du 29 mai 2023 circulant sur les réseaux sociaux et relayée à l'étranger par le journal Haïti Observateur sans aucune vérification préalable, contenant des rumeurs fausses et diffamatoires que son conseil d'administration aurait fait paraître. La Unibank proteste et s'intègre en fait et s'insurge contre cette campagne de diffamation, de désinformation, d'intoxication et de dénigrement dirigée par des individus mal intentionnés qui tentent de porter atteinte à sa réputation durement acquise au cours de ses 30 ans d'existence. La Unibank souligne blablabla. Enfin, la Unibank met en garde et s'engage à prendre toute action que de droit contre tout individu participant directement ou indirectement à cette campagne diffamatoire et à la diffusion des fausses informations lui causant des préjudices. OK. OK. Donc, Unibank lui-même lui annonçait que l'a continué de travailler correctement dans la façon que l'on était travaillant afin pour capable de desservir le public là correctement. Donc, il n'y a pas rien pour ensemble avec fausses informations qui t'ont arrivé circuler sur les réseaux sociaux. Et c'est là que nous mettons bout dans la rubrique pour aujourd'hui. Nous avons rendez-vous à midi boule ensemble avec Kossi. Nous avons rendez-vous à midi boule ensemble avec Foucault, Zami Info Power, pour rester information d'ici là. Restez bénis et protégez-vous. À plus tard.